Gloire à Dieu, je vous accueille au terrain de miracle. Voici l'heure de réveil de jeudi et de miracle pour moi. Je crois. Où êtes-vous? Je crois. Quelque chose doit se passer aujourd'hui. Un miracle doit descendre sur vous aujourd'hui. Cette montagne va se déplacer. Le Seigneur va mettre la joie et le rire dans votre vie. Êtes-vous prêt? Pour l'onction qui brise le joug, où êtes-vous? Père, au nom de Jésus-Christ, nous bénissons ton nom aujourd'hui. Nous exaltons le nom de Christ. Nous savons que tout est possible avec toi. Je demande, Seigneur, que tu arrives aujourd'hui à toucher tout le monde de façon spéciale. Fais déplacer les montagnes, détruis les œuvres du diable, affranchis ton peuple. Que l'onction coule dans toute vie et que la puissance de la foi agisse dans toute vie cette nuit au nom de Jésus-Christ. Que tu exauces la prière de chacun. Que tu mettes le témoignage dans chaque bouche et que ton peuple rentre chez eux avec des monceaux de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous prions et que les receveurs de miracles disent Amen. Nous allons à Marc 11. Marc chapitre 11, je lis verset 22, Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, certainement je vous le dis, assurément je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point, il n'y a personne qui doute aujourd'hui, et s'il ne doute point en son cœur. Mais crois que ce qu'il dit arrive, il vous le verrez, il le verra, je le verrai, tu le verras. Il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Comme nous voyons le verset 22, voici les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Jésus-Christ dit la même chose aujourd'hui. Au fait, il a dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il y a l'accomplissement dans votre vie aujourd'hui. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Cette nuit, vous êtes ici. Je ne veux pas dire que nous, mais je t'ai distingué. C'est vous cette nuit que Dieu regarde. C'est vous que le ciel s'ouvrira et viendra sur toi et tu recevras au nom de Jésus-Christ. Vous êtes ici pour une pleine libération. Pourquoi êtes-vous ici? Je dis, vous êtes ici pour quelque chose. Vous êtes ici pour une pleine libération. C'est pourquoi cette nuit, je parle de la pleine libération, la libération totale à travers la foi en Christ. Et que ayez foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu, parce que la foi en Dieu, c'est la solution à tout problème. Dieu, le Dieu vivant, est un Dieu immuable. C'est le Dieu éternel. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu infini, le Dieu puissant, le Dieu irrésistible, le Dieu indépendant. Dieu est indépendant de tout problème. Dieu, il se tient de côté, regarde vos problèmes, il dit, toi, déplace-toi, et qu'est-ce qui va se passer? La montagne va se déplacer, c'est un Dieu immuable.
Il ne change pas. Il peut tout faire et va tout faire, même dans votre vie, ce soir, au nom de Jésus-Christ. Il a promis de faire que tout est possible avec lui. Voyons encore le verset 22. Jésus prit la parole. Dites-moi à haute ce qu'il dit et leur dit, ayez foi en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le Créateur. Ayez foi en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est la fontaine de vie. Ayez foi en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu dépend du néant. Et toute chose dépend de lui. Il a créé le monde entier sans aucun instrument, sans aucune matière première, du néant, du vide. Dieu a créé tout l'univers. Entre vous et lui aujourd'hui, il n'y a pas un mur de démarcation. Entre vous et lui, il n'y a pas un mur de séparation. Il va créer, il va agir, il va accomplir. Je crois que vous allez dire amen. Et toute chose dépend de lui. Il est immortel. Il est incorruptible. Dans son essence, nous parlons de Dieu. L'omnipotent, nous parlons de Dieu le Tout-Puissant. Nous parlons de Dieu le Suprême. Nous parlons de Dieu, celui-là qui vit, qui aime et qui est en mesure de changer, de tourner toute pierre de votre vie. Et toute malédiction sera brisée au nom de Jésus-Christ. Il est aimable, il est miséricordieux, il est compatissant. C'est pourquoi Jésus a dit que quel fardeau portez-vous, quel problème avez-vous, quelle montagne, à quelle montagne vous êtes confronté. Et la solution à votre problème ce soir, c'est d'avoir foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Cette montagne va se déplacer. Ayez foi en Dieu. Cette maladie sera guérie. Ayez foi en Dieu. Ce défi sera résolu dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Ayez foi en Dieu. Il est omnipotent. Ayez foi en Dieu. Il est omniprésent. Ayez foi en Dieu. Il est omniscient. Alors, comme vous avez foi en Dieu, cette nuit, comprenez que les problèmes seront résolus. Les problèmes seront résolus ce soir, cette nuit. Et le jour là sera brisé cette nuit au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Romains chapitre 10, 17. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Quelqu'un dit que je n'ai pas la foi, c'est mon problème. Ce que vous attendez cette nuit va amener à acheter de foi en vous. Vous aurez votre miracle. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi pour votre salut vient. La foi pour votre guérison vient. La foi pour votre délivrance vient. La foi pour les signes et les prodiges vient. La foi pour votre miracle vient cette nuit. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. La foi est venue dans le passé à tous ces gens que nous avons lus dans la Bible. La foi est venue à eux à cause de ce qu'ils ont entendu du Seigneur. Les gens au temps de Jésus-Christ, les gens qui ont vécu au temps de Jésus-Christ, ils sont arrivés, les yeux aveugles ont été ouverts. Cela va se passer. Les boiteux ont marché. Cela va se passer. Leur défi était ôté. Cela va se passer. Comment ont-ils reçu? Ce n'est pas la foi. Comment avaient-ils la foi? La foi leur est venue par l'écoute. Et aujourd'hui, comment la foi vient? Aujourd'hui, comment la foi vient? Ça vient de ce que vous attendez. Ce que vous entendez cette nuit amènera une foi dynamique en vous, la foi qui déplace les montagnes. Dieu merci, je vois votre miracle venir sur vous au nom de Jésus-Christ. Parce que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Si je dois vous dire une seule chose cette nuit, afin que votre vie aujourd'hui, cette semaine, ce mois, cette année, et que votre vie, pour le reste de votre vie sur terre, soit plus éclatante que tout ce que l'homme aurait imaginé. Quelle est la chose là à vous dire? Laissez-moi vous le dire, le montrer
en Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ce verset vous affranchit. Que je le dis pour moi-même, ce verset m'affranchit. Si je dois vous dire une seule chose, et que vous avez un défi devant vous, vous avez un projet devant vous, vous avez une maladie qui vous confronte, vous avez un problème qui confronte votre famille, vous avez des larmes coulant sur votre joue, il y a l'oppression, il y a l'angoisse, il y a la difficulté. Si je dois vous dire une seule chose qui puisse amener la solution totale, la rédemption totale, la restauration totale à votre vie, quelle est la toute seule chose que je puisse vous dire? Si je dois vous dire une seule chose, lorsque vous vous trouvez à la croisée du chemin, si je dois vous dire une seule chose, lorsque cela paraît que tout est à l'envers, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de secours, et tu dis que je ne veux pas finir ma vie comme ça, je veux que les choses changent pour moi. Si je dois vous dire une seule chose qui puisse changer les choses, que si vous faites la chose là, il aura la solution. Il y a la faiblesse en vous, il y a l'échec dans votre vie, il y a des problèmes insurmontables. Vous dites que, dis-moi une seule chose, quelle est la seule chose que je puisse vous dire afin que ces problèmes là soient résolus? Comme vous êtes venu cette nuit et vous dites, je suis venu ici pour l'heure de réveil et de miracle de jeudi. Quelle est la chose à rentrer à la maison pour dire que vous avez la chose là? Tout lieu que fleura votre pied, le Seigneur vous le donnera. Toute porte que vous frappez sera ouverte. Tout ce que vous demandez au Seigneur, j'ai besoin de ceci et cela, la chose là sera faite. Quelle est la seule chose que je puisse vous dire? Verset 16. Prenez par-dessus. Aidez-moi à dire par-dessus. Prenez par-dessus. C'est là-bas. Prenez. Vous allez le prendre cette nuit. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Qu'est-ce que le bouclier? Avez-vous jamais vu ces émeutiers? Et ils ont le bouclier dans leurs mains. Quand le jette la chose qu'on vous jette là ne peut plus vous parvenir. On vous lance une flèche du camp d'ennemi. Ça ne peut pas vous parvenir encore. On vous lance une flèche du camp adverse, de la conspiration de l'ennemi. La flèche là ne pourra plus vous parvenir. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez. Je peux. Moi, je peux. Je dis, moi, je peux. Regardez la mer rouge. Je peux la traverser. Regardez la montagne là. Je peux faire sortir de l'eau de cette montagne. Regardez Goliath, je peux vaincre Goliath. Regardez la maladie, je peux être affranchi de cette maladie. Quelqu'un là-bas est capable cette nuit. Quelqu'un là-bas est capable cette nuit. Vous allez vaincre votre crainte. Vous allez triompher de vos problèmes. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Combien de traits enflammés? Regardez ici. Peut-être vous n'avez jamais reçu 100%. Vous avez passé l'examen là. Vous avez 63. Vous avez passé l'examen là. Vous avez fait 77. Maintenant, toute prière que vous faites à partir d'aujourd'hui, vous aurez une réponse 100%. Toute requête que vous faites, vous aurez une réponse 100%. Et toute parole d'autorité que vous décrétez, vous aurez une réponse à 100%. Parce que vous allez éteindre combien de traits enflammés du malin? Tous les traits enflammés du malin. Ce soir, nous allons voir ceci ensemble. La pleine libération ou la libération totale à travers la foi en Christ. La libération totale à travers la foi en Christ. Nous allons voir trois points avant de prier. La prière cette nuit sera vraiment la prière. La prière cette nuit
sera réellement la prière. Vous allez prier, et moi aussi je vais prier. Et si nous deux, nous nous accordons pour demander quelque chose, quelconque que vous demandez cette nuit, ce sera fait. Numéro un, c'est la fidélité et l'impeccabilité de Dieu. Et la fidélité et l'impeccabilité de Dieu. Dieu n'a pas de faute. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu ne ment pas. Dieu ne séduit pas. Il est fidèle. La fidélité et l'impeccabilité de Dieu. Numéro 2, c'est la communion et le pardon de Dieu. La communion et le pardon de Dieu. Numéro 3, c'est la liberté. Quelqu'un là-bas est affranchi. Quelqu'un là-bas est affranchi. La liberté à travers la foi en Dieu. La liberté à travers la foi en Dieu. Dites-moi votre premier point là-bas. Quel est le premier point là-bas? Le premier point dans votre vie. Dans votre vie. C'est la fidélité et l'impeccabilité de Dieu. Nous retournons à Marc chapitre 11. Marc 11. Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. La question est, pourquoi devez-vous avoir foi en Dieu? Pourquoi quelqu'un doit-il avoir foi en Dieu? Quelles raisons donnerons-nous que quelqu'un mette sa foi en Dieu? C'est à cause de la fidélité de Dieu. C'est à cause de l'impeccabilité de Dieu. Voyons, Deutéronome, chapitre 7, verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, ce Dieu fidèle. Ouais. Parce qu'il ne peut pas mentir, il ne peut pas séduire, il ne peut pas changer pour dire non quand il avait dit oui. À cause de la fidélité de Dieu, ce Dieu fidèle qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération. La millième génération. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous prenez une génération pour 40 ans, alors 1000 générations seront 40 000 ans. Alors, comme il a, depuis qu'il a fait la promesse là, ça n'a pas encore fait 40 000 générations. Mais il a dit, chaque génération, dans chaque génération, Dieu est fidèle. Cette nuit, où êtes-vous? Dieu est fidèle à vous. Et vous allez le trouver dans sa fidélité, que Dieu fera quelque chose d'inoubliable dans votre vie. Verset 12. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a proclamé, tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il a prophétisé, tout ce qu'il a déclaré sur vous, tout ce qu'il a écrit sur vous, il y a l'accomplissement cette nuit. Il y a l'accomplissement cette nuit. Voilà le verset 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie, éloignera de moi. Je dis, l'Éternel éloignera de moi. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Combien de maladies ôtera-t-il, éloignera-t-il cette nuit? Éloignera de toi toute maladie, et il ne t'enverra d'aucune de ces maladies, de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Ce Améla est faible. Psaume 119. Notre Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Il a dit, il le fera. Il a promis, il va l'accomplir. Voyons un psaume 119, verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole suscite dans les cieux. À toujours, ô Éternel,
Ta promesse subsiste dans les cieux à toujours, ô Éternel. Ta déclaration subsiste dans les cieux à toujours, ô Éternel. Ton décret subsiste dans les cieux. Verset 90. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Au-delà de 40, 50 générations, au-delà de 1000 générations, 2000 générations, tu es fidèle. Et de génération en génération, ta fidélité subsiste. Dans cette génération où nous sommes, Dieu sera fidèle. À votre génération, Dieu sera fidèle. À votre famille, Dieu sera fidèle. Et il agira dans votre vie au nom de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, la fidélité de Dieu. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Quelque chose se passe cette nuit. Le ciel enregistre votre nom, écrit votre nom ce soir, et le ciel attache un miracle à votre nom, et la guérison à votre nom. La puissance est attachée à votre nom. L'onction qui brise le jour est attachée à votre nom ce soir, et cela est confirmé au nom de Jésus-Christ. Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sous la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Quelle assurance avez-vous cette nuit? Est-ce que vous avez l'assurance que Dieu va vous exaucer, qu'il va briser vos joues, qu'il va vous enlever cette nuit? Avez-vous l'assurance qu'il va vous promouvoir? Avez-vous l'assurance qu'il vous exaucera cette nuit? Quelle assurance avez-vous? Une assurance partielle, une assurance ébranlable, une assurance douteuse, une assurance dubitative. Quelle assurance avez-vous? De quel type d'assurance avez-vous? Approchons-nous avec un cœur sincère. Il n'y a pas de doute en moi, il n'y a pas de doute dans votre cœur. Approchons-nous avec un cœur sincère, avec la pleine assurance. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ses promesses ne nous séduiront pas. Sa puissance agira en votre faveur. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il le fera. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il l'exécutera dans votre vie cette nuit au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, il a dit, je suis Dieu, je ne change pas. Je suis Dieu, je ne change pas. Il est fidèle. Il est impeccable. Quelle est la réponse à cela? Mettez votre confiance en lui, il ne peut pas échouer. Aimez-le, il ne peut échouer.
Croyez en lui, vous ne serez pas déçus cette nuit. Obéissez-lui, vous aurez votre miracle. Soyez agréable à lui, honorez-le, exaltez-le, ayez foi en Dieu, parce qu'il est fidèle. Ayez foi en Dieu, parce qu'il est impeccable. Ayez foi en Dieu, parce qu'il est parfait. Ayez foi en Dieu, parce qu'il est capable. Ayez foi en Dieu, parce qu'il est volontaire. Ayez foi en Dieu, parce qu'il est fiable. Ayez foi en Dieu, parce qu'il est dépendable. Ayez foi en Dieu, parce qu'il est inchangeable. Ayez foi en Dieu, parce qu'il est inébranlable. Ayez foi en Dieu, parce qu'il est illimité. Ayez foi en Dieu, parce qu'il est impartial. Ayez foi en Dieu, parce qu'il est au-delà de tout. Il surpasse tout et vos problèmes sont résolus. Mettez votre confiance en lui. Croyez-le. Dépendez-vous de lui. Pharaon n'a pas pu l'empêcher. Aucun pharaon ne peut vous empêcher. La mer Rouge n'a pas pu lui faire du mal. Rien n'empêchera votre progrès. Balaam et Balak n'ont pas pu l'empêcher. Aucun méchant, aucun occultiste, aucun démon ne peut vous empêcher au nom de Jésus-Christ. Vous en Dieu et Dieu en vous, vous êtes en majorité. Je vous vois vaincre. Je vous vois vaincre. Vous rappelez, les murailles de Jéricho se tenaient entre Israël et leur héritage. Les murailles de Jéricho n'ont pas pu l'obstruer. Rien n'obstruira votre progrès. Les Cananéens n'ont pas pu barrer sa voie. Les Cananéens en confédération qui disent que voici, les Israélites venaient, unissons-nous pour les empêcher, ils ne vont pas entrer. Mais je vous vois entrer dans votre terre promise. Quel que soit leur complot, ils n'avaient pas pu l'empêcher à l'époque. La personne ne peut vous empêcher aujourd'hui. Goliath et les Philistins n'ont pas pu le vaincre. Nebuchadnezzar et Babylone n'ont pas pu le vaincre. Il est Dieu. Il est de votre côté. Il est Dieu. Il est votre Père. Il est Dieu. Et il est votre libérateur. Dieu merci, vous êtes délivré cette nuit. Dieu merci, le Seigneur vous a franchi cette nuit. Je suis affranchi. Que le Seigneur le confirme dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Deuxième point maintenant, la communion et le pardon de Dieu. S'il y a quelque chose qui empêche la prière, s'il y a quelque chose qui empêche le miracle, c'est le manque de communion. C'est le manque de pardon. Vous voyez les gens qui s'éloignent de Dieu et Dieu dit, je vais te bénir, rapproche-toi de moi. Et comme tu te rapproches de Dieu, et si tu as quelque chose que tu ne devais pas faire, tu dis, mais Seigneur, je suis désolé. Et tu te détournes de cela, tu te repens et le pardon te sera accordé. Et tu seras pardonné. Nous retournons à Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. À qui parle-t-il cette nuit? Je vous le dis en vérité. Je dis, à qui s'adresse-t-il cette nuit? Il s'adresse à vous. Ce qu'il vous dit sera accompli au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais crois, quelqu'un là-bas, je crois cette nuit, je crois mon Dieu cette nuit, je crois à sa parole cette nuit, je crois à sa prophétie cette nuit, je crois à mon sauveur cette nuit, je crois à sa parole, le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas dans votre vie, dans ma vie, dans notre église, même cette nuit au nom de Jésus-Christ.
Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Il sera renié, c'est ça? Il va perdre, c'est ça? Il n'aura pas, c'est ça? Je dis, il n'aura pas, c'est ça? Il fait quoi? Il le verra s'accomplir. Je le verrai s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Nous le verrons s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Avez-vous quelque chose à dire cette nuit? Avez-vous quelque chose à dire cette nuit? Avez-vous quelque chose à dire cette nuit? Alors, vous allez parler à cette montagne-là. Vous allez parler au problème-là. Vous allez parler au défi-là. Vous allez parler à la difficulté-là. Vous allez parler à la chose-là, cette barrière entre vous et le Dieu Tout-Puissant. Et Jésus-Christ dit, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, dites-le-moi, et vous le verrez s'accomplir. Voilà le verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, qu'est-ce qui suit là-bas? Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Dieu veut que vous pardonnez. Pardonnez à votre mari. Pardonnez à votre femme. Pardonnez à ce frère, à cette soeur. Ne permettez pas à un esprit de non-pardon d'avoir l'amertume dans votre âme, dans votre cœur, pour empêcher le grand miracle que je vais faire dans votre vie cette nuit. Ouais. Le non-pardon empêche la communion avec Dieu, avec votre frère. Mais c'est dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si vous avez quelque chose de rien, si vous avez quelque chose de rien, vous dites que c'est une petite chose, mais cela vous a blessé. C'est une petite chose, mais vous êtes irrité. C'est une petite chose, mais vous l'évitez. C'est une petite chose, mais vous ne voulez pas le voir. Alors, c'est une petite chose, mais vous vous querellez, vous jetez la pierre. C'est une petite chose, mais vous calomnez, vous outragez, vous n'êtes plus amical. Mais dit que si vous avez quelque chose de rien, petite chose, quelque chose d'insignifiant, mais pour vous, d'avoir la montagne se déplacer cette nuit, il faut qu'il y ait la communion et le pardon. Que si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, vous êtes irrité, vous ne pardonnez pas, vous avez la haine, vous priez. Mais si vous ne pardonnez pas, vous outragez, vous calomniez, vous priez. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce que le Seigneur dit, c'est que sans le pardon, c'est-à-dire, tout d'abord, vous recevez le pardon du Seigneur. Il n'y a pas de communion avec Dieu sans le pardon. Pardonnez à votre frère, à votre soeur, à votre mari, à votre femme, à vos parents, à vos dirigeants. Sans le pardon, il n'y aura pas de communion. Il n'y a pas de communion. Comment aurez-vous la puissance miraculeuse de Dieu dans votre vie? Le fleuve de libération coule cette nuit. Je dis la fontaine de la libération coule cette nuit. Cela va couler vers vous. Cela va couler vers votre maison. Cela va couler vers votre profession. Cela va couler vers votre famille. Mais que ce fleuve ne soit pas empêché, arrêté. Que le flot ne s'arrête pas à cause du non-pardon. Seigneur, je pardonne aux autres. Seigneur, je pardonne à tout le monde. Et puis vous venez en communion avec Dieu. Parce que s'il n'y a pas de véritable communion,
il n'y aura pas une foi active. Dieu ne peut pas maintenir une véritable communion avec le méchant. Nous venons en communion avec Dieu. Lorsque vous êtes amical avec Dieu comme Abraham, lorsque vous êtes en communion avec Dieu comme les disciples de Jésus-Christ, cette communion rend votre foi active, rend votre foi puissante. Mais sans la communion, votre foi sera dormante, votre foi sera morte, votre foi sera inactive, votre foi n'agira pas. Mais comprenez qu'il ne peut jamais avoir une véritable communion avec le méchant, avec le pécheur, avec le fils prodigue qui est allé dans un pays lointain. Il n'y a pas de communion avec le pervers, le rebelle Absalom. Il n'y a pas de communion entre lui et son père David lorsqu'il se rebellait. Il n'y a pas de communion avec le rebelle. Il n'y a pas de communion avec le méchant qui détruit son prochain. Il n'y a pas de communion avec le désobéissant qui piétine la parole de Dieu. Psaume 94, verset 20. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi? Ouais. Il y a des gens qui planifient le mal contre leurs amis, contre leurs voisins, contre leurs colocataires, comme leurs collègues. Ils planifient le mal contre eux. Ils vont venir après que, oh Dieu, exauce-nous, on prie. Dieu dit non, pardonnez. Parce qu'il ne peut jamais avoir la communion avec ceux qui forment des desseins iniques. Donc vous venez, vous aimez que le nom du Seigneur, vous vous détournez du mal et Dieu pardonnera. Dieu va vous purifier. Dieu va vous changer. Il va changer votre vie. Il va changer vos pensées. Il va changer tout ce qui vous concerne. Les meilleurs jours viendront. Ces meilleurs jours commencent cette nuit. Quand est-ce que les meilleurs jours vont commencer? Cette nuit, les meilleurs jours vont commencer au nom de Jésus-Christ. Voyons, deuxième chronique, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, le peuple de Dieu est-il à cette nuit? Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. La réponse aux prières, les miracles pour nos prières cette nuit. Et toutes ces maladies seront guéries cette nuit au nom de Jésus. Je les usserai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Je n'ai pas entendu à même maintenant. Est-ce que vous cachez les péchés? Non. Vous venez à Dieu, vous exposez tout au Seigneur et le Seigneur va pardonner. Il va amener la liberté. Il aura pitié de vous. Il va jeter son amour sur vous au nom de Jésus-Christ. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les retient, c'est ça? Celui qui les avoue et continue de pratiquer, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Qu'est-ce qu'il dit?
et que repens-toi. Ainsi dit, dit soumets les armes, les munitions avec lesquelles tu luttes contre le Dieu Tout-Puissant, soumets cela au Dieu Tout-Puissant. Demande le pardon. Crois en sa miséricorde. Demeure dans son amour. Et après cela, lorsqu'il t'aura pardonné, continue dans l'obéissance. Demeure dans la communion familiale. Demeure dans la communion en famille. Voyez, il y a des gens, ils croient qu'ils vont rester dehors là-bas. Dehors, ils vont rester dehors, en dehors de la famille. Dès qu'ils auront un problème et une maladie, ils vont venir comme un étranger de dehors et viendront prendre la bénédiction. Après la bénédiction, ils vont encore retourner. Ils vont retourner au dehors. Votre joie, votre victoire, tout sera limité. Vous venez, vous restez dans la communion en famille et non un étranger venant de dehors qui cherche la bénédiction sous la table. Mais vous êtes au-dedans et chaque jour sera un jour de bénédiction pour vous. Chaque jour, un jour de miracle. Comme cela va se passer chaque jour, aujourd'hui, que quelqu'un dise aujourd'hui, mon jour de miracle. La communion, le pardon venant de Dieu. Troisième point maintenant, la liberté. Je suis libre aujourd'hui. La liberté. Je suis libéré aujourd'hui. La liberté. Je suis délivré aujourd'hui. La liberté. Mes jours sont brisés aujourd'hui. La liberté. La maladie est guérie cette nuit. La liberté. La liberté pour mon frère, pour ma soeur là-bas. Où êtes-vous là-bas? Où êtes-vous là-bas? Cela vous parviendra au nom de Jésus-Christ. La liberté à travers la foi en Christ. La liberté à travers la foi en Christ. Quel type de foi parlons-nous? Numéro 1, la foi salvatrice. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la foi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, le salut. Parce qu'il vous donne la vie éternelle, le salut. C'est ça qui vous réconcilie avec Dieu, le salut. C'est ça qui fait entrer votre nom dans le livre de vie. Et c'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Numéro 1, la foi salvatrice. 2, une foi ferme. C'est la foi qui ne cède pas. C'est la foi dont le Seigneur Jésus parle. Ayez foi en Dieu. Cette montagne devant vous va se déplacer cette nuit au nom de Jésus-Christ. Une foi ferme. Voyons Marc 10. Marc chapitre 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Cette vie de mendicité va cesser cette nuit. Cette vie de pauvreté va cesser cette nuit. Le problème qui te fait rester là-bas et tu dépends des autres va cesser cette nuit au nom de Jésus-Christ. 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Jésus, quelqu'un là-bas, « Fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, dites-le-moi, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant,
prends courage, lève-toi et t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, vous n'en avez plus besoin. Et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole dit, que veux-tu que je te fasse? La même question se présente à vous. Que voulez-vous que le Seigneur vous fasse cette nuit? Cette nuit, il le fera. Et Rabboni lui répondit, l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va. Vous n'allez pas rentrer chez vous tel que vous êtes arrivé, va. N'allez pas rentrer à la maison avec la cécité, va. N'allez pas rentrer avec la maladie, va. Ta foi t'a sauvé. Quel type de foi l'homme a-t-il? Il avait et il a une foi ferme. Il a crié, fille de David, aie pitié de moi. On lui a dit, tais-toi, ferme ta bouche, c'est assez. Il criait de plus, c'est une foi ferme. Je ne serai pas renié. Cette montagne doit se déplacer. Je ne vais pas rentrer à la maison avec ce problème. Ce défi doit être ôté. Je ne vais pas rentrer à la maison le même. Il a crié, et personne ne m'empêchera. Personne ne vous empêchera. Donc Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, que quelqu'un crie là-bas, aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Numéro 1, la foi salvatrice, il vous sauvera cette nuit. 2, la foi ferme, il va ôter la cécité cette nuit au nom de Jésus-Christ. Numéro 3, la foi calme. L'homme là, on a vu l'homme qui a crié, celui-ci, c'est calme, silencieux, il ne dit rien à personne, seulement silencieusement, il parle lui-même. Marc 5, même la foi calme va dire, va faire quelque chose cette nuit. Donne-moi un bon amen là-bas. Marc chapitre 5, je lis verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis combien d'années? Depuis 12 ans. Problème de 12 ans, réglé cette nuit. Problème de 20 ans, 30 ans, réglé cette nuit. Depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, pas derrière, et toucha son vêtement. Vous allez toucher Jésus cette nuit. Le sang va sécher. Le cancer va sécher. La tuberculose va disparaître. Le VIH sera guéri cette nuit au nom de Jésus-Christ. Car elle disait, Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. J'attends mon peuple. Je serai guéri. Verset 29. Au même instant, la peste de sang s'arrêta. La chaule, le pus là qui coule, sèche-toi. La chaule là qui sort qui frappe ta tête, sèche-toi. La chaule là qui veut te tirer à la destruction, sèche-toi. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, y a-t-il une fille là-bas cette nuit? Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. La foi calme, la foi forte. Allons à Romains.
chapitre 4, verset 17. Ceci, c'est une foi forte. Romains 4, 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est une foi forte. Qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il n'avait pas d'enfant, mais son nom maintenant est changé d'Abraham, père d'un grand nombre de nations. Votre nom change cette nuit. Votre nature change cette nuit. Votre perspective change cette nuit. Votre destinée change cette nuit. Et la chose négative change cette nuit au nom de Jésus-Christ. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant contre toute espérance, et crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. 19. Et sans faiblir dans la foi. Et sans faiblir dans la foi. Quelqu'un là-bas. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ayant la pleine conviction, j'ai la pleine conviction cette nuit, que vos problèmes sont réglés, et j'ai la pleine conviction cette nuit que cette montagne se déplace, et j'ai la pleine conviction que la maladie incurable sera guérie cette nuit. Je veux un amen venant de vous là-bas. Et j'ai la pleine conviction cette nuit que toutes ces montagnes sont ôtées et ne sont plus au nom de Jésus-Christ. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il peut aussi l'accomplir. Il le fera cette nuit. Numéro 5, c'est la foi filiale. Vous venez à la famille, vous êtes un enfant de Dieu. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, et vous, le Fils croyant de Dieu. Jésus, le Fils exalté de Dieu, et toi, tu es le Fils racheté de Dieu. Tu es changé. Tu es venu dans la famille de Dieu et tu as la foi filiale. Et voyons Galates 2, 20. Galates 2. Je suis crucifié, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Dans la foi, je vis. Je vis maintenant une vie de victoire, une vie de prospérité. Et il faut de votre amen pour vous-même. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, je vis dans la joie, je vis dans le bonheur, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La foi filiale. La foi filiale, numéro 1, la foi salvatrice, numéro 2, la foi ferme, numéro 3, la foi calme, numéro 4, la foi forte, numéro 5, la foi filiale, et la foi mélodieuse ou la foi qui chante. Actes des apôtres, chapitre 16. Je lis verset 25. Lorsqu'il y a un problème, au lieu de pleurer, vous avez la foi dans votre cœur, la foi qui chante. Vous chantez, vous allez d'un cantique à un autre cantique, de ce petit cœur à ce petit cœur. Quand vous chantez, le miracle va se produire. Actes des apôtres, chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent. Qu'avaient-ils fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, quelqu'un crie là-bas, tout à coup. Quelqu'un
crie tout à coup. Il faut crier tout à coup. C'est-à-dire que vos montagnes vont se déplacer cette nuit. C'est-à-dire que votre maladie va quitter cette nuit. C'est-à-dire que l'infirmité va quitter cette nuit. Tout à coup, tout à coup, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Tout ce qui doit être secoué sera secoué de votre vie. Tous les tourments du diable et toutes les chaînes et les fers de l'ennemi dans votre vie cette nuit. Tout à coup, il y aura un grand tremblement venant du ciel. Se dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, au même instant, au même instant, toutes les portes, combien de portes, les portes vont s'ouvrir devant vous. Cette porte qui t'empêche, cette porte qui t'intimide, cette porte qui te ferme dans un coin, alors tu vas étendre tes ailes et tu vas t'envoler au nom de Jésus-Christ. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et les liens de tout le monde là-bas furent rompus. Et les liens de tout le monde là-bas sont rompus. Regardez, toutes les chaînes, toutes vos chaînes sont rompues. Tous les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et vous, que tous les liens soient rompus au nom de Jésus-Christ. La foi qui chante. Et la foi qui surpasse. La foi qui surpasse vos problèmes. La foi qui surpasse vos montagnes. Voyons Matthieu 8. Matthieu 8. 5. 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 Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenaire l'aborda, le pria disant, « Seigneur, mon serviteur caché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai, je le guérirai. » Le centenaire répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, et il doit aller. À l'autre, viens, il doit venir. Et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Ce doit être fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. La foi qui surpasse. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. La foi de cet homme, c'est ce que dit seulement la parole cette nuit. C'est quoi vous dites cette nuit? Dis seulement un mot, mentionne seulement le problème. Et puis, si c'est moi, je suis guéri. Dis seulement un mot, envoie seulement le mot, et puis la parole, et je serai guéri cette nuit. La foi qui surpasse. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Il y a des croyants ici cette nuit. Je dis, il y a des croyants ici cette nuit. Dieu merci, c'est fait. Dieu merci, votre prière est exaucée. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. La foi salvatrice. La foi ferme, la foi calme, la foi forte, la foi filiale, la foi qui surpasse, la foi de la tsunamite, la foi de la tsunamite. Deux rois, chapitre 4, deux rois 4. 2 rois 4, 18. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs.
il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il, c'est la fin de l'histoire. La fin de votre histoire n'est pas encore arrivée. La fin de votre vie n'est pas encore arrivée. La fin de votre projet n'est pas encore arrivée. Puis il mourut. 21. Elle monta le couchard sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu. Il reviendra. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, tout va bien. C'est la foi de la tsunamite. Tout va bien. Tout va bien. Verset 26. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Et ton enfant se porte-t-il bien? Te portes-tu bien? Elle répondit, bien. Elle répondit, bien. Elle répondit, bien. Voilà la maladie, tout va bien. Regardez la montagne, tout va bien. Regardez le défi, tout va bien. Te portes-tu bien? Est-ce que tu vas bien dans votre famille? Est-ce que tu vas bien dans votre boulot? Est-ce que tu vas bien avec votre hébergement? Est-ce que tu vas bien dans votre communauté? Est-ce que tu vas bien dans votre église locale? Et aujourd'hui, la foi de la tsunamite, tout va bien. Vous connaissez la fin de l'histoire? Et finalement, Élisée est allée chez elle et Élisée a prié, l'enfant là était ressuscité. Vous allez vous lever. Pour la guérison, vous allez vous lever. Vous dites amen, vous êtes assis. Pour la prospérité, vous allez vous lever. Pour la délivrance, vous allez vous lever. Pour la domination, vous allez vous lever. Va-t-il bien? Est-ce que tout va bien? Je dis, est-ce que tout va bien? Je dis, est-ce que tout va bien? Je dis, est-ce que tout va bien? Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur et priez dans la foi. Il y a le salut ici aujourd'hui. Il y a la guérison ici aujourd'hui. Il y a la délivrance ici aujourd'hui. Il y a la libération ici aujourd'hui. Il y a la liberté ici aujourd'hui. Tout va bien. La pleine libération aujourd'hui. La libération totale aujourd'hui. Chaque jour, il y a la liberté. Il y a la liberté. Il y a l'émancipation du péché. Tout va bien. Tu seras affranchi de la maladie. Tout va bien. Il y a la libération de l'oppression. Tout va bien. Il y a l'affranchissement des démons et des attaques spirituelles. Tout va bien. Il y a l'affranchissement de la malédiction. Tout va bien. Il y a l'affranchissement des afflictions sataniques. Tout va bien. Il y a l'affranchissement du joug et de l'affliction. Tout va bien. Il y a l'affranchissement de la puissance du monde. Tout va bien. Il y a l'affranchissement des tentations. Tout va bien. Il y a l'affranchissement des problèmes récurrents et perpétuels. Tout va bien. Il y a la libération ici pour vous cette nuit. Il y a la guérison cette nuit pour vous. Il y a la guérison cette nuit pour vous.
Et la victoire cette nuit pour vous. Il y a des miracles ici cette nuit pour vous. Il y a la provision abondante cette nuit-là pour vous. Il y a la vie éternelle. Et le billet pour le ciel. Le privilège d'aller au ciel. Il vous attend cette nuit. Il y a des signes et des prodiges ici cette nuit. Des signes et des prodiges ici cette nuit. Des signes et des prodiges ici cette nuit. Parlez au Seigneur, parlez au Seigneur, parlez au Seigneur. La foi salvatrice. Venez avec la foi salvatrice. Seigneur, je crois. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, quiconque, quiconque. Détournez de vos péchés. Repentez de vos péchés. Invoquez le nom du Seigneur. Dis, Seigneur, je délaisse tout. Seigneur, je me soumets. Seigneur, je me soumets. Seigneur, je me soumets. Je regarde au calvaire. Je regarde à Christ. Qu'il vous sauve cette nuit. Il y a la foi salvatrice. Il y a la foi ferme. La foi ferme. Seigneur, me voici la foi ferme. Seigneur, me voici la foi ferme. Satan ne va pas vous empêcher. Les démons ne vont pas vous empêcher. Vos pensées ne vont pas vous empêcher. L'incroyance ne va pas vous empêcher. Vous allez crier, crier au Seigneur. La foi ferme, la foi ferme. Seigneur, me voici, Seigneur, me voici. Ouvre mes yeux aveugles. Je vais me lever et marcher. Cette tumeur doit disparaître. Ce problème de foi doit être réglé. La foi ferme. La foi calme. Si je peux toucher, si je peux toucher ses vêtements, si je peux toucher ses vêtements, touchez-le cette nuit, touchez-le cette nuit, touchez-le cette nuit, touchez-le cette nuit. Je serai guéri cette nuit, c'est la nuit là pour vous. Cette nuit, c'est la nuit là pour vous. Cette nuit, c'est la nuit là pour vous. Je serai guéri. Il vous touche maintenant. La foi calme vous touche maintenant. La foi forte. Appelant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je l'ai. Appelant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je l'ai obtenu. Sans considérer le corps vieux de Sarah qui n'était pas en mesure d'avoir des enfants. Qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont. Je l'ai reçu, je l'ai obtenu, c'est pour moi. Je ne peux pas être renié, je ne serai pas renié. Je l'ai cette nuit, je le possède cette nuit, je m'accroche à cela cette nuit. La foi forte, la foi forte, la foi filiale, la foi du Fils de Dieu. Je vis dans la foi du Fils de Dieu. Je suis vivant par la foi dans le Fils de Dieu. Je marche par la foi dans le Fils de Dieu. Je vins par la foi dans le Fils de Dieu. Je suis triomphant. Je suis triomphant par la foi du Fils de Dieu. Vous avez la domination. Vous avez le triomphe. Vous avez votre destinée changée. Changer dans la bonne direction. Parce que maintenant, vous vivez par la foi dans le Fils de Dieu. La foi filiale. La foi qui surpasse. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. La parole seulement. La parole seulement. Et mon serviteur sera guéri. Et mon corps sera guéri. Et ma vie sera guérie. Dis seulement un mot. La foi de la tsunamite. Tout va bien. 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 Vous allez rentrer à la maison cette nuit avec des miracles. Criez, tout va bien. Et votre vie cette nuit, tout va bien. Je dis, et votre vie cette nuit,
et ses yeux aveugles cette nuit, et ses jambes paralysées, et la tumeur là cette nuit, et le cancer cette nuit, et la malédiction cette nuit, et la déformation cette nuit, et le chômage cette nuit, et les larmes et l'angoisse cette nuit. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Où êtes-vous? Tout va bien. Où êtes-vous? Tout va bien. Vos prières sont exaucées cette nuit. Les jours sont brisés cette nuit. Les maladies sont guéries cette nuit. Oui, le chômeur a reçu son boulot cette nuit. La stérilité est supprimée cette nuit. Le VIH est guéri cette nuit. Levez ces mains, levez ces mains là. Père, au nom de Jésus-Christ, nous bénissons ton nom cette nuit. Nous te glorifions cette nuit. Tu es exalté cette nuit. Dans notre cœur, tu es exalté. Dans l'église, tu es exalté. Dans la bouche de tout le monde, tu es exalté. Seigneur, tu as dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'ai prié, je prie pour tous ceux qui t'ont invoqué, ceux dont les péchés, ceux qui ont péché, pardonne-leur. Il veut le salut pour leur âme. Il veut que le nom soit écrit dans les cieux. Sauve-les au nom de Jésus-Christ. Pardonne leurs péchés au nom de Jésus-Christ. Écris leur nom dans le livre de vie. Seigneur, je prie pour ceux qui sont malades cette nuit. Que les maladies ne les raccompagnent pas à la maison. Maladie, je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. Toute montagne de maladie, toute montagne d'infirmité, je te commande, toi montagne de maladie, déplace-toi de là au nom de Jésus-Christ. Cancer, sors de là et sois guéri au nom de Jésus-Christ. Problème de insuffisance rénale, soyez-en guéris au nom de Jésus-Christ. Tuberculose qui vous gêne, soyez-en guéris au nom de Jésus-Christ. Que les oreilles sourdes soient guéries au nom de Jésus-Christ. Que le muet parle au nom de Jésus-Christ. Que la stérilité prenne fin au nom de Jésus-Christ. Les choses qui circulent dans le corps, je commande ces esprits qui circulent, qui te tourmentent, de sortir de là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que la guérison pour tout le monde, la délivrance pour tout le monde, la domination pour tout le monde. Nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles sont. C'est fait. C'est fait. C'est fait dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont chômeurs, je prie que un nouveau boulot vous soit donné au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont stériles, je prie que la stérilité soit supprimée de votre vie. Dans votre vie, cette nuit, la stérilité est supprimée au nom de Jésus-Christ. Recevez votre enfant de miracle. Où êtes-vous? Recevez votre enfant de miracle. Seigneur, confirme cela au nom de Jésus-Christ. La puissance démoniaque, l'attaque démoniaque, l'affliction démoniaque, je te commande. Sors de là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tout ce que ton peuple te demande cette nuit, nous disons que c'est fait. Avec la foi salvatrice, nous disons c'est fait. Avec la foi ferme, nous disons c'est fait. Avec la foi forte, nous disons c'est fait. Avec la foi calme et indéniable, nous disons c'est fait. Avec la foi filiale, je confirme cette nuit que c'est fait. Et avec la foi forte, qui ne doute de rien, la foi qui prend le vol, la foi qui surpasse, je confirme cette nuit que c'est fait. Avec la foi de la tsunamite, je prononce sur votre vie que tout va bien. À gauche, tout va bien. À droite, tout va bien. Vers le devant, tout va bien. À droite, à gauche, derrière moi, tout va bien.
partout tout va bien. Pour ceux qui écoutent dans leur maison, partout où vous êtes, le Dieu Tout-Puissant vous touche maintenant, tout va bien. Confirme le Seigneur dans toute ta vie. Je te remercie parce que je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Comment vous vous portez là-bas? Tout va bien. Comment vous vous portez là-bas? Comment allez-vous à la maison? Est-ce que vous avez un témoignage? Est-ce que vous êtes affranchi? Est-ce que vous êtes libéré? Criez, tout va bien.